Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on devait vous présenter des gros vaisseaux, mais il se trouve qu'Asphalon avait fait l'acquisition de deux Arès, donc l'Inferno et l'Arrestion. Et on s'est dit, on ne sait pas trop s'il y a un wipe à la 320, tout ça, et on s'est dit, autant en profiter de faire un sujet sur ces deux chasseurs lourds. Avant que, éventuellement, la 320 disparaisse ou pour un autre motif, il ne les ait plus, voilà. Et c'est vrai que c'est des chasseurs intéressants. Je tiens à signaler qu'on a vu une vidéo récemment, ce matin d'ailleurs, sur les Arès Inferno et Ion en 320, et apparemment, leur comportement change pas mal, les rendant beaucoup plus efficaces. Mais bon, on est en PTU, est-ce qu'il y aura encore un rééquilibrage? On ne sait pas trop. Mais on a vu un up au niveau de leur comportement. Mais là, on est toujours en 3.19.1 live. Donc on va faire le test en 3.19.1 live, voilà. Pour voir un peu le comportement de ces deux chasseurs lourds. Alors, les deux chasseurs sont achetables sur le site RIC quand ils sont disponibles à la vente pour la somme de 250 $ chacun. Donc les deux sont au même prix. Au niveau d'un claim, il faut compter en claim gratuit, il faut compter 10 minutes, 10 minutes 18. Et si vous payez 7 311 à UEC, ça descend à 3 minutes 25. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le savoir. Ensuite, donc, on va parler. Alors là, je vais retourner sur DPS Calculator. Donc, c'est un Heavy Fighter de combat de taille S3, le Arès, conçu pour un pilote. Alors, la particularité, c'est qu'il a une résistance de coque de 30 000. Ça fait presque aussi gros que sur le Vanguard. C'est supérieur à l'Hurricane. En dimension, on est sur du 30, sur du 27 et 6 mètres de haut. Donc il est assez plat pour sa taille. On a 329 000 kilos de masse. Donc voilà, il fait son petit poids, mine de rien. Mais il n'est pas si lourd que ça quand on regarde bien. 170 mètres seconde en vitesse SCM. Et en afterburner, il est à 1120 mètres secondes. Au niveau de la manœuvrabilité, sur le pitch, on est à 30 degrés secondes. Sur les IO, on est toujours sur 30 degrés secondes. Et en roll, on est à 115 degrés secondes. Le réservoir d'hydrogène a une capacité de 450 000 litres. Et le réservoir de quantum fuel, alors le quantum fuel, c'est 5 000 litres. Donc, il a un bon réservoir de quantum fuel, faut le noter. Vous pouvez acheter ce vaisseau sur la planète Crusader à Horizon, au Crusader Showroom, donc à la salle de vente de Crusader pour les vaisseaux, pour la petite somme de 2 859 000 AUEC. 2 859 000 AUEC. Il n'est pas disponible à la location. Alors, il y a plusieurs skins. Alors, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 skins disponibles. Aucun in-game. Ils sont tous disponibles sur le site RSI à acheter avec vos petits sous-sous à vous. Voilà. Alors, les détails techniques. Là, par exemple, on va parler de l'Arès Ion. Il est équipé d'un SF7B. Non, je me trompe. C'est l'Arès Inferno. F77B. C'est une Gatling lourde taille 7. Avec 7000, non, 4740 DPS. Et équipé de 3 800 munitions. Voilà, vous avez 3 800 coups
Et en DPS, on est sur du 4740 DPS, ce qui est énorme, hein, pour une Gatling. Je vais basculer tout de suite sur l'Inferno. Sur le Yon, pardon. Le Yon, vous avez un canon SF7E qui provoque 2663 DPS et qui possède 43 coups. Mais c'est du canon laser, donc avec la recharge, il faut compter le temps de recharge est de 8 secondes 21 à peu près. Donc voilà, c'est plutôt honorable, hein. Le bébé est équipé de missiles de 4 Viper 3. 4 plus 4, donc 8. Et de 12 Arrestor 3. Alors là, je parle du Yon, ouais. Il est équipé de 2 full stop en bouclier de 9000 AP chacun. Power Plant, c'est des Maelstrom qui produisent 9375 unités de puissance seconde. Les refroidisseurs, il en a 3. Des Arctiques qui permettent de gérer 5200 K de chaleur seconde. Et le Quantum Drive, c'est un Crossfield. Donc là, ça rigole plus, hein. Crossfield qui va à une vitesse de 235 872 km/s et qui permet de faire une distance maximum de 241 millions de kilomètres. C'est excusez du peu, hein. Ce qui permet à la bébête de faire Crusader Hearthstone en 2 minutes 56 et de faire Microtech Hardcorp en 4 minutes 50. Ça rigole plus là, hein. C'est une bonne bête déjà, hein. Alors, au niveau, on va dire, bouclier, donc on est sur du 18 000 HP. Donc c'est déjà du bouclier bien sympathique, hein. Je ne sais plus si j'avais précisé. Oui, il y a deux tailles S2, hein, sur le Yon. Et donc on est sur du 18 000 HP. Consommation d'énergie de 3940, alors que son système peut en produire de 18 750. Donc là, on a une bonne marge. La marge sur les refroidisseurs, elle est de 373 K de chaleur, alors que son système peut en gérer 15 600. Donc là, on est très large aussi. En électromagnétique, il est sur du 15 055, qui n'est pas exubérant, mais qui commence à être un peu haut. Par contre, en infrarouge, il est à 5 642, ce qui est plutôt très bas. Donc là, en infrarouge, il est plutôt intéressant. Je vais rebasculer pour vérifier quand même sur l'Inferno. Alors, le monsieur Inferno. Donc, on est sur du 18 000, 3410 en production d'énergie. Et ensuite, alors au niveau des équipements de série, hein, tout ce qui est bouclier, c'est pareil que sur le Yon. Il produit 374 de chaleur, son système en gère, oui, donc pareil. Il n'y a qu'au niveau de la production d'énergie où il en produit, enfin il en consomme un peu moins, il est à 3410. On est à 13 804 en électromagnétique et 5642 en infrarouge. Donc c'est des performances plus ou moins similaires. Et il est également équipé d'un crossfield, donc il a les mêmes performances en quantum. Au niveau technique, à part l'armement, il n'y a pas de grosses différences, on va dire. Donc ça, il n'y a qu'au niveau de l'arme principale que le changement est le plus marquant. Donc ça, c'est bon. Ben, je pense que j'ai rien oublié de particulier. Ah, si, normalement, on regardera sur Microtech quand il fera moins froid, parce que là, le pauvre Asphalon va geler sur place à force. Normalement, tous les vaisseaux ont un inventaire extérieur, enfin, ou un petit inventaire de 250 K en moyenne. Donc, il a certainement un inventaire aussi maintenant, parce que c'est pas spécifié au niveau de son inventaire. Je revérifie quand même. Ouais, il marque pas l'inventaire, mais maintenant il doit y en avoir un. On va penser, fais-moi penser à Asphalon, à ce qu'on regarde.
s'il a un inventaire ou Je peux pas. regarder tout de suite, hein. Ah bah si tu veux, oui, merci. Alors. Alors. Là, pour l'instant, j'ai pas de storage. Je crois que c'est derrière, non? Je crois que c'est à l'arrière où tu peux ranger une arme, il me semble. Faudrait qu'on regardera ça. Oh oui, bah, si tu arrives à y aller. Ah oui. Alors celui-là, il a 1 million d'USU. 1 million du SCU de storage. Oh, ça laisse une belle marge de manœuvre. Donc ça fait 100 000 SCU. Oui, c'est plus que tous les autres. Ouais, largement plus, oui. C'est 4 fois plus que tous les autres. Oui, que les chasseurs, légers. Ah, ok. Alors, j'ai un oubli, une grosse omission de ma part. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Asphalon. Et en compagnie d'Aaron Stark qui surveille au-dessus de nous que tout se passe bien. Merci à vous d'ailleurs, hein, c'est très gentil à vous de participer à l'émission. De rien. Avec plaisir. Et donc là, on va regarder un petit peu. Alors, moi j'ai le lion, je vais essayer de zoomer pour qu'on voit aussi l'inferno. Donc là, voilà la ration. Je vais essayer de le faire de face. Voilà. Je vais essayer de passer par au-dessus en zoomant comme ça. Ouais, voilà, on voit le dessus. Alors, je vais maintenant essayer de basculer sur la res inferno qu'utilise Asphalon. Là, on reconnaît tout de suite le style. Alors, si je fais ça et que je regarde par là. Ça va être plus compliqué là. Ouais. Voilà. Déjà, on les reconnaît à la couleur tous les deux. Ah, non, ça passe pas. Tant pis, je referai avec la res différemment. Autrement, au niveau aspect, ouais, ça passe pas du tout là. Ouais, bah tant pis, ça marche pas. Alors, on va faire la vue intérieure. On va faire la vue intérieure de l'engin. Alors les deux se ressemblent beaucoup, hein, il me semble, Asfa, tu m'empêcheras de me faire une erreur. C'est vrai que c'est des véhicules que j'utilise pas du tout et que je connais pas bien. Mais là, on voit un tableau de bord avec quatre écrans bleutés. Moi, personnellement, j'aime bien cette couleur-là. J'aime beaucoup cet aspect. Niveau visibilité, bah, c'est plutôt correct, hein. Alors, quand on lève tout de suite la tête, bon, on tombe sur une espèce de d'armature pleine, mais globalement, on va dire que la vision droit devant, ben, elle est juste géniale, hein, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Alors, le tableau de bord, moi, j'ai peut-être la petite critique que j'émettrais, c'est que ça ressemble un peu aux dispositions Aegis, mais bon, il y a quatre écrans, donc c'est déjà bien, c'est déjà pas mal du tout. Et par contre, ils mettent toujours les self-statues et l'indication de cible sur les écrans du bas. C'est un truc que je comprendrai jamais, ça, mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais on peut le reparamétrer à sa sauce, hein, bien sûr. Donc là, on a le gros canon. Et donc, on verra tout à l'heure sur la res Inferno, la vision à l'intérieur et extérieur du vaisseau. Bah, c'est clair, c'est lisible. Le design est plutôt léché. On est dans du Crusader, quoi. On n'est pas déçu de ce côté-là. C'est propre, quoi. Et niveau intérieur, ben, il n'y a rien à dire, quoi. C'est sympa tout plein. C'est sympa tout plein. Alors, je vais démarrer les moteurs. Je vais me mettre en vue externe. Ah oui, alors là, ça va être compliqué, là. Du coup, j'ai perdu le fil là, en manipulant, là. Ah, voilà. Comme ça, on se recentre.
Voilà. Et là, je vais peut-être pouvoir. Voilà. J'allume les moteurs. Quand il démarre, on le sent, hein. Je rééteins. Quand il découpe, par contre, on l'entend beaucoup moins. C'est beaucoup plus calme. Mais quand il démarre, on le sent bien. Je me mets en vue cockpit. Je démarre. Et vous voyez, même à l'intérieur, on l'entend bien qu'il a démarré, hein. Il montre bien ses muscles, hein. Asphalon, je te laisse décoller. On va faire le test de vitesse pure. On va voir un peu comment il se comporte sur Clio en vitesse de pointe. Ok. Là, je le laisse passer, je décolle. Alors, il est sensible au vent au décollage. Voilà. Tu pars par quel côté? Tu en face. Hop. Ok. Eh ben, je te suis. Propulseur à fond. Donc là, on est à 700 mètres environ d'altitude. On est déjà à 300, 380. Là, on monte un petit peu, j'ai l'impression. Hop, voilà. J'essaie de me caler derrière Asphar. Je suis à 800, c'est vrai, 700. Ouais, si. Après, je redescends un peu trop. 600. Pourquoi je descends comme ça? Ouais, moi aussi, il est descendu d'un coup. Ouais, j'essaie de me caler sur du. Ouais, je vais essayer de me caler sur du 700 mètres, on va dire. J'arrive pas à 4. trouver une. Oui, il monte, il descend, c'est particulier, hein. 400. Ouais, difficile à stabiliser à pleine vitesse, hein. Mais on va dire qu'il monte à 400, 405, 410, 411, 408. Ah, il redescend, c'est impossible de le maintenir. Je passe mon temps à le récupérer en fait. Je vais attendre qu'il soit à 400 et je vais lancer un coup de boost. Voilà, 400 boost. 500, 550, 570, 580. Ouais, 580, il l'est fait. Hein. Ah, il monte méchamment quand même. Hein. Je me prépare à faire un virage à gauche, à fond les ballons. Il est revenu à sa vitesse initiale. Pique du nez, quoi. Ouais. Je me prépare à partir à gauche. 3, 2, 1, hop! Je surveille mon altimètre parce que c'est vrai qu'il a tendance à descendre. Hop, je vois Aaron. Hop, je le recroise. Voilà. Je reprends un peu d'altitude. Il est très dur à maintenir à pleine vitesse en altitude, hein. Il est. Là, je suis à 400. Je me prépare à basculer sur la droite. 3, 2, 1, hop. Quand il tourne très bien. Ouais, il tourne pas mal du tout. Ok. Bah ça c'est fait. Ouais, il est plutôt souple, mais il a tendance à perdre de l'altitude, t'as vu quand tu prends les virages. Il plonge le nez, il a le nez qui Ouais. plonge. Alors, j'essaie de me rappeler où étaient les montagnes. C'était par où déjà?
Ah, je crois qu'elles sont là-bas. Oui, voilà. C'est par là-bas. Je retourne là-bas. Alors là, on va revenir pleine balle vers les montagnes. Et on va le tester un petit peu en, on va dire, en manœuvrabilité. Et voilà, vous êtes sur une lune, vous voulez voir attaquer une cible près du sol et vous passez à travers les montagnes pour éviter de vous faire repérer par des balistas ou autres engins anti-aériens. Voilà, on approche des montagnes. Alors, comme Par c'est du contre, ils sont chasse. très rapides. Hein. Ouais. Je la ramasse derrière vous. Hein. Ah ouais? Ah oui. Et tu nous suis avec un Scorpius, hein, c'est ça? C'est ça. Pourtant, le Scorpius, il est pas mou au niveau vitesse. Ouais, c'est une galère à vous suivre. Bon, après. On va ralentir là parce qu'on arrive au niveau des montagnes. Je vais me caler sur une vitesse, on va dire, de sécurité. Peut-être me caler sur du 250. On va voir ce que ça donne. Ouais, elles sont jolies les montagnes par là, là. Elles ont l'air bien costauds les fifilles là. On t'y consomme, hein? Oui. On a pratiquement un quart du plein qui est parti là. Je suis déjà à 75%. Ah ouais? Alors, voyons voir un peu comment il se manie. Alors là, je reste en accélération. Je veux pas trop tenter le diable parce que c'est un vaisseau que je connais pas bien. Je reste accéléré. Je regarde un peu comment il se comporte dans les virages. Alors, à 250, enfin avec le limiteur à 250, ça peut aller. Ça peut aller. Ah, ça a l'air un peu plus éclairé par là, là. Ça a l'air un petit peu plus éclairé par là. Il y a une belle montagne en face là. Je vais m'en servir un peu pour manœuvrer autour. Alors, voyons voir. Tout en restant accéléré, si je veux changer de cap et faire le tour de la montagne. Comment il va réagir? Bah, ma foi. Oh, tu peux même Ah. monter à 300, 300 réagit bien. À 300, il réagit bien. Tu driftes un peu, mais ça réagit pas mal. Ah oui, ça y est, je suis tombé à 75% aussi. Ouais, il est. Il est pas mal. Alors si je joue un peu avec les moteurs maintenant. Bah ma foi. Il est plutôt précis dans les rôles, hein. Quand on lui dit d'arrêter, il arrête, hein. Avec le boost, ça reprend tout de suite, hein. Ah, Clio nous gratifie d'un magnifique coucher de soleil. Ouais, il est.
Il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Voilà, je me suis calé sur du 300 là. Ouais, il rattrape bien. Ouais, honnêtement, hein, on voit que les ailes, ça joue hein, quand même. Hein. Ouais, on voit que ça joue bien quand même. Hein. Ouais, il est plutôt agréable. La configuration d'aile delta, hein, Ouais. c'est comme l'éclipse, hein, c'est extrêmement efficace en atmosphérique. Bon, après, dès qu'on fait une manœuvre, on perd énormément de vitesse. Alors, par contre, du coup, là, je l'arrête. Je me reste en altitude parce qu'il y a une chose que j'avais pas montré, c'est le déploiement du train d'atterrissage. Voilà, le déploiement du train d'atterrissage. Je vais me mettre sous un autre angle. Il faudra peut-être que je recule un peu parce que je vois pas le nez. Ouais, je vais reculer un peu. Voilà. Hop, et on rétracte tout. Voilà. Parfait. Hop, je repasse en vue pilote. Et ben, je vais prendre de l'altitude. On va le tester en vitesse max sortie atmosphère, voir à quelle vitesse il peut aller au total. Vous m'excuserez, je suis un petit peu malade, donc je toussote pas mal. Donc là, j'arrive à 1117, 1118. Oh, je suis à 21 000 mètres, je suis pas encore sorti de l'atmosphère. 1119. Je vérifie une chose, c'était la vitesse de pointe du chasseur. Elle était donnée à 1120. Eh bien, 1120, il l'est fait. Il fait les 1120. Le contrat est respecté pour l'ARES. Pour toi aussi, Aaron? Asphalon, pardon. Attends, hop. Tu as 1100. Oui, c'est ça, 1120. Ah, on voit les propulseurs de manœuvre à l'avant là qui freinent. On voit les petits effets. C'est plutôt sympa. Et là, quand il va s'arrêter complètement, normalement, le système s'éteint. Ah, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien vu leur truc là. C'est plutôt bien vu. Alors, eh bien là du coup, on va prendre la direction de Microtech, qui doit pas être bien loin. Aaron, je le vois là. Asphalon, il est là. Est-ce qu'on a mis. Ah, Microtech, ça doit être dans mon dos, sûrement. Bah, je vais faire un trace-route parce que je ne le vois pas. C'est par là. Ah bah oui, juste là. Microtech. On va raser Clio en partant. Alors, VF4, normalement. Ok. C'est bon pour vous deux?
bon pour moi. Je règle une petite chose, j'arrive. Yep. Un petit bug. Ah. Eh oui, 319.1, messieurs, dames. Les bugs, il y en a encore un paquet. J'ai des bugs de bouclier, je sais pas pourquoi. J'ai mes boucliers avant qui fonctionnent pas. Ah. Je vérifie aussi des fois. Ah non, c'est bon, ils sont activés sur. D'ailleurs, là, on en profite qu'on soit un peu dans l'obscurité. Vous voyez le tableau de bord, hein, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien l'ambiance lumineuse de l'ARES. Je suis un peu moins fan de son modèle de vol. Je suis un peu gêné dans son modèle de vol, je dois reconnaître. Mais bon, globalement, j'aime bien. Dites que quand vous êtes prêt. On va sur Microtech là. Ouais. Bah allez-y puisque je dois pas être. Ok. Je lance alors. C'est parti. Par contre, il a des sorties de quantum qui sont juste magnifiques. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces sorties de quantum. Alors. Hop. Je vais trouver un petit coin paradisiaque dans le coin, là. Je crois qu'on en a trouvé un, d'ailleurs. À proximité. Rayari Deltana, Outpost. C'est à l'horizon de la planète, cap 240 environ, 241 même on pourrait dire, et pitch à moins 38. J'ai. Ouais. Aaron, c'est bon pour toi aussi? Qu'on a perdu Aaron. Je vais faire la star maintenant. J'avais coupé le micro pour. Ah ben d'accord. Ah d'accord. Ok. Eh ben on va sauter. C'est parti. Quantum travel engaged. De loin, ça semblait être de la prairie. De plus près, c'est plus de la prairie. Ah, si, je crois que sur notre. Ah non. Bon, bah tant pis. Si, là, il y en a un. En voilà. Dessous ouais. Ah oui, je le vois. Ok. Ok, je descends. Par là. Ça a l'air pas trop mal par là. Il y a des petites montagnes, donc ça fera l'affaire. Voilà, là où tu vas, oui. Alors, va falloir qu'on fasse gaffe, parce que vous aurez remarqué, tout le monde, qu'on a bouffé un tiers du plein, mine de rien. Donc, efficace, l'engin, mais comme tous les crusaders, il aime bien la bouteille. Hein. Il est gourmand, le champion, là. Oui, ça a l'air mignon par là, là. Et il galope, hein. 400. On est à 3000 mètres. Il est à 375.
Oh oui, il y va là. Et eh ben, bon, je vais calmer un peu ses ardeurs parce que je reste sur du 300 à cette altitude-là, là, 800 mètres. Allez, on va le tester un peu en. Là, je reste accéléré pour l'instant. Ouais, il y va plutôt pas mal. Hein. Oh, les montagnes ici, c'est quelque chose. Bah, ma foi, avec le régulateur sur 300, il manœuvre bien aussi en atmosphère ici. Hein. Il est plutôt surprenant. Alors, je vais jouer un peu avec les moteurs maintenant, voir un peu si on peut avoir un pilotage un peu plus collant. Oh oui, oui. Oh oui. Il a l'air bien au sol, là. Un vrai cyclone. Ah oui. Oui, il y va très bien, hein. Il est bluffant. Il est souple. Il est très souple sur Microtech. Je crois peut-être que c'est un des vaisseaux qui se comporte le mieux sur cette planète, au niveau souplesse. Ah oui, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je viens d'atteindre les 50%. Ok. Alors... Je refais un petit dernier petit passage un peu. Voilà, je joue avec les moteurs, un petit coup de boost. Ouais, il rattrape ça tranquille. Ouais, le boost est pas hyper puissant, mais il permet de très bien le rattraper. Je viens de repérer une prairie en bas là. Je me dirige droit dessus. Je vais me poser. Ah bah en tout cas, je confirme, c'est une galère à vous suivre. Ah oui, donc il est plutôt efficace en fait. Est-ce que c'est... Ah non, il y a des cailloux là. Je vais aller un peu plus loin. Peut-être une prairie plus adaptée. Ah bah là-bas, tiens, je viens d'en choper une. Voilà, ici là. Je vais me poser là. Voilà, Jenny Nipper. Oh, là, oui, là. Ah, ici, ce sera parfait. Ouais, t'as beaucoup de mal à nous suivre, Aaron. Ah oui, bah déjà, je suis beaucoup moins rapide. Et alors mon boost dure peut-être un peu plus longtemps, mais alors je suis obligé de l'utiliser constamment pour réussir à pas me faire larguer, hein, même pas vous suivre. Non, il est très très agile et très rapide le RS. Et au niveau carburant, c'est pareil, hein, je suis à 50% aussi avec le Scorpius. D'accord, donc il consomme autant pour des performances moindres, on va dire. C'est ça. C'est pas très flatteur pour le Scorpius. Je te le confirme. Voilà.
Alors, oh, il fait meilleur là. Un petit zéro pointé. Et... Bah, si tu veux te poser pour économiser du carburant, Aaron, hein, tu peux te poser. Hein. Ok. Alors, là, je vais faire le tour un petit peu de l'Inferno. Bah, je vais carrément monter à l'intérieur pour qu'on voit un peu s'il y a des différences ou pas. Et il y a un truc qu'on va s'amuser à faire avec Asphalon. On va essayer de débusquer tous les composants qui sont visibles. Alors, il y a le tableau de bord du Ares Inferno. Eh bien, c'est exactement le même. Ah oui, tiens, il a. Oui, ben, c'est pas un bug que tu as, Asphalon. Moi aussi, je l'ai. Hein. Ah. L'Inferno, les écrans du bas, ils déconnent. Ils Côté. deviennent bleus, et puis quand on enlève un peu la tête, ils réapparaissent. Ouais, il y a un bug à ce niveau-là. Peut-être que ça sera corrigé en 3.20. Bah autrement, visibilité, tout est pareil. Alors par contre, la Gatling, hein, bah voilà, j'ai une grosse bête. Hein. Je vais vous le montrer en vue extérieure, parce qu'on n'avait pas pu bien le voir tout à l'heure. Donc, la texture change pas mal. Il y a un peu plus de détails sur le dessus. Oui. Avec l'Inferno. Bah, le skin est joli, hein, faut dire. Et puis alors, la Gatling, hein, balistique, hein, bien sûr. Voilà, hein, c'est parlant. Ça parle tout de suite aux gens, ça. Hein, bah, l'arrière, par contre, ça ressemble beaucoup à la Sion. Oui, c'est un style. Hein, ils sont jolis, hein. Ils sont jolis, hein, faut Sont reconnaître. très beaux. Hein. Ils sont très très jolis. Alors, je vais ressortir. Alors, Asphalon. Et Aaron, tu l'as essayé aussi, l'Ares? Oui, j'ai eu l'Inferno pendant un Et petit moment. le Yon aussi? Le Yon, non, j'ai jamais testé. D'accord. Alors, on va commencer par le Yon. Asphalon, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences marquantes entre ces deux chasseurs lourds? Oh bah, il n'y en a qu'une seule, hein. C'est l'Inferno est équipé d'une Gatling balistique alors que le Yon est équipé d'un canon laser. D'accord. Au niveau, on va dire, esthétisme, il y en a un que tu trouves plus joli que l'autre. Je préfère l'Inferno, personnellement. Ouais, personnellement, moi Après, aussi, oui. pas spécialement vis-à-vis de la couleur, parce que la couleur, après, avec un skin, ça peut changer, hein. Oui. Mais c'est vrai que je le trouve un peu plus détaillé que le Yon. Il a des plaques sur le dessus, on dirait qu'il a une armure supplémentaire par rapport au Yon. Normalement, oui. D'ailleurs, il a une armure supplémentaire. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai pas vérifiée, excusez-moi. Donc là, j'ai l'Inferno. Normalement, il a que deux boucliers. Oui, voilà, il a deux boucliers, mais c'est compensé par un bouclier, alors que le Yon a trois boucliers, et il a une armure moindre. C'est pour ça. Ah. En fait, l'Inferno est mieux blindé que le Yon. Mais il a un bouclier en moins. Bah écoute, sinon, à part je pense pas qu'il y ait de trop grosses différences. Qu'est-ce que tu aimes bien chez ces deux appareils? Ah bah là, on vient de le voir, hein, la maniabilité, hein. Oui, Il est oui. extrêmement maniable. Il a une très grosse accélération en boost, ce qui Oui. permet de pouvoir rattraper pas mal de monde. Alors c'est des chasseurs qui sont faits pour du gros gibier. Hein. Ah. Ah, ça c'est important de le préciser, oui. Oui, donc c'est fait pour du gros gibier. Donc le maniement est
très appréciable quand on chasse du gros gibier, ce qui peut largement éviter de se faire trop tirer dessus. Après, bon, ils ont peut-être un peu plus de difficultés sur du chasseur plus petit, la taille plus petite. Hein. Oui. Donc ça, c'est pour les avantages. Après, les inconvénients, on en parlera peut-être après, mais... Après, bon, c'est des ailes delta. Moi, j'adore les ailes delta. Hein. Oui, oui, c'est un style bien à lui. Hein. Voilà, c'est... voilà, non, c'est un très très bon chasseur. Alors, quand tu disais ça chasse du gros gibier, on part sur quoi comme genre de gibier de prédilection, on va dire? Oh bah, de prédilection, du très très gros. Hein, on part sur du... c'est très bon contre du Hammerhead, c'est très bon contre... ça sera très bon contre du... de l'Idris. Ouais. Ah oui, carrément de l'Idris. Hein. Ah oui, bah c'est de la taille 7. Hein. Ils sont équipés de taille 7. Hein. Ouais. Et l'armement, c'est de la taille 7. C'est pas... Après, on peut très bien combattre un Redeemer avec ça aussi. On peut très bien... voilà, oui, c'est fait pour du gros gibier. Hein. Et par exemple... Quand vous êtes très doué en pilotage, vous pouvez très bien faire du plus petit, on pourrait faire du Hurricane ou quoi que ce soit. Mais... c'est plus compliqué. La contrepartie, ce sera plus compliqué, vous prendrez beaucoup plus de dégâts. Oui. Et par exemple, tu tombes sur du Gladius ou du Haro, c'est faisable? Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Il a une très forte poussée je vais dire longitudinale. Ouais. Il a une très forte poussée longitudinale. Par contre, pour ce qui est des strafes ou quoi que ce soit, ça va être ils vont pas être suffisamment doués pour pouvoir lutter contre du Gladius et du Haro. Ah oui, d'accord. Donc mieux vaut éviter un combat avec ce type de chasseur léger, quoi. Oui. D'accord. Alors, messieurs, à ça là, je m'adresse à vous deux. Est-ce que c'est un chasseur qu'on peut envoyer seul en mission ou est-ce qu'il est préférable qu'il ait une escorte? Par exemple, si vous attaquez l'Idris et puis qu'il y a plein de petits vaisseaux qui gravitent autour de l'Idris pour le protéger, est-ce qu'il peut y aller, par exemple, on peut y aller à 3 Arès sans problème, ou est-ce qu'il faut quand même avoir des chasseurs différents pour escorter ces chasseurs-là, d'après vous? PVE, on peut y aller à 3 Arès. Ouais. PVP, non, il faut avoir une escorte. Il faut avoir une escorte, d'accord. Ouais. Au moins un chasseur qui suit pour nous protéger d'une attaque directe. Ouais. D'accord. Ok. Ah bah ça c'est bon à savoir, ça. C'est très bon à savoir. Dis-moi, Aaron, tu te rappelles où sont les composants auxquels on peut accéder extérieurement? Tu peux nous les montrer sur l'Inferno, par exemple? Sur le dessus. Ils sont sur le dessus? Ouais, t'en as beaucoup sur le dessus. T'arrives à monter sur l'aile et sur le dessus t'en as plein. On va passer par là. Hop. Alors attends, je te suis. Hop. Juste le bout de l'aile. Ouais, c'est juste le bout de l'aile. Ouais. Hop. Voilà. Mon personnage pour sauter, c'est une horreur. Et tout le long de l'épine dorsale, entre guillemets, t'as tous les composants, les power plants, les shields. Ça y est, j'y suis. Bah, alors. Après, ça serait du JPEG, c'est pas. Bah là, juste devant toi, là, par exemple, tu vois, il y a écrit couleur, là. Oui. Juste à nos pieds, là. Oui. Là, t'as un refroidisseur, t'as exactement la même chose de l'autre côté. Ah, ok. Et le composant sort. Ah, c'est excellent, ça. Et là, tu as par exemple, tu as le jump drive. Okay.
Le jump drive, il est là. Ah, ah, ah. Faire gaffe où c'est qu'on met les pieds. Ah, je me suis bloqué. Eh oui, je crois bien. Ah, non, c'est bon. Faut que je ressaute par là. Voilà. Merde, je me suis rebloqué. Ah, si je passe par là, voilà. Alors, le jump drive, c'est lui. Ok. Ouais. Là, tu as les batteries. Alors, je... Hop, 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 je fais exprès, ou pas. Voilà. Ici, c'est pas nous, t'as les batteries. Ouais. Alors, attends, je vais les ouvrir pour voir. Je pense pas. Que, je pense pas que c'est pas physicalisé en fait. Hein. Ah ok. Ouais. Batterie. Pareil de l'autre côté. Là, t'as le shield generator. Là, sur le juste côté, sous là. Tes pieds là. Juste sous tes pieds. Ah ok. Oui, je le vois. Et juste un peu avant, juste vers le cockpit, tu as le, tout ce qui est radar, scan, tout ça, et après tu as les live support. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un interaction? Non. Alors, personnellement, je sais pas comment l'ingénieur va pouvoir faire après. Ça va être assez dur. Hein. Ah oui, les boutons sont là. D'accord. Ah oui, d'accord. Faut pas avoir à changer une pièce rapidement, quoi. Et là, c'est... Ah oui, les boucliers sont là. C'est marrant. C'est bien foutu, hein. Je crois même que le... Je crois même que... Alors attends, je crois... Il me semble, hein. Je suis pas certain... Mais je crois qu'à l'arrière, en dessous, il y a tu un as le stockage. Ah, le stockage est en dessous. Alors, où c'est qu'il est Tu vois, t'as le storage juste devant toi, là, au milieu. Alors, storage... Là. Ah, faut monter... avance, avance. Carrément, c'est en fait au milieu du vaisseau. Ah, c'est au milieu, carrément. Ouais. Ah oui, d'accord, storage. Tu es censé avoir un rack arme juste en dessous. Mais regarde si on peut l'ouvrir. Oui. Voilà. Ah oui, tu peux mettre deux armes et des chargeurs en dessous. Ah, c'est pas mal. Hop, voilà. J'arrive à le faire tout de suite. Attends, peut-être me rapprocher un peu. Voilà. Pour le fermer. Oui, en fait, il... Ah, pour le fermer, tu vois, tu vois l'étiquette qui clear juste au-dessus. Ah. Ah oui, ça y est. Et là, donc, le storage. Et il me semble qu'il y avait un composant par là, là à l'arrière. Tu sais, le Quantum Drive, non? Ah, il me semblait. Non, mais j'ai peut-être... Peut-être confondu sur un autre vaisseau, là. Ah, il y a un truc ici. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. Je vois rien de marqué dessus. Crusader, il y a marqué, mais je vois pas. Et de l'autre côté, il doit y avoir le même, je suppose. Ça doit être... peut-être pour les... Des trappes pour... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était un colis qui était dedans, mais je suis pas sûr. Attends, j'ouvre, on sait jamais. Ah, ça doit être le Power Plant. Ouais, Juno Star Wars, ça doit être le Power Plant. Ah, ouais. Alors, je sais pas ce qu'il a, mon personnage. Il a une bougeotte aujourd'hui. Alors voilà, bah, ça c'est intéressant. Hein. Il y a... Là, c'est, on va dire, c'est un vaisseau de deuxième génération. Les composants sont accessibles. Hein. Il est plutôt bien pour ça. Il est plutôt bien pour ça. Et ben voilà. Et alors le storage, c'était ici. Le storage est juste au-dessus.
Ouais. Au-dessus par du contre, racha d'armes. Ouais, j'ai pas accès. Je sais même plus comment j'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Peut-être un. Bah, normalement, je vois un petit bouton, mais il a l'air de plus vouloir fonctionner. Juste en dessous de Keep Clear, là, normalement. Mais il a pas l'air de vouloir fonctionner. Peut-être un bug. Ah, si, c'est bon. Juste en dessous de Keep Clear, ouais, si, faut s'approcher. Approche-toi. Hop. Je m'approche au maximum. Voilà, je suis carrément en dessous. Non, il a pas l'air de vouloir. Bah, c'est peut-être parce que c'est ton vaisseau. Hein. Peut-être. Ouais. Ouais, ça c'est le rack d'armes. Ouais, ok. Non, mais il est intéressant. Moi, je. Alors, il y a un truc, c'est sûr et certain, la ligne. La ligne des deux vaisseaux est sympa comme tout. Hein. La ligne est super belle. Ah, par contre, tiens, il me semblait avoir rétracté le composant là-haut. Ah. Il n'y a rien d'ouvert. Hein. Ah, t'as pareil, toi, sur le. Non, non, c'est l'espèce de petit volet là-bas, je sais pas ce que c'est. Tu l'as aussi sur le tien. Ah, parce que c'est tu sais, là où il y avait le. Ouais, bah au-dessus de ton cockpit. Aussi. C'est au-dessus de ton cockpit, là, je vois une trappe ouverte et je me posais la question. Ah, là, sur le tien, qu'on le voit d'ici, là, la tienne, c'est ouvert aussi. Ah, ok. Bon, bah, c'est. Ça doit être un bug. Ouais, c'est le design, c'est le design du. Ok. Ok, ok, ok. D'après toi, 250$ hors taxe, c'est cher pour un vaisseau comme ça si on veut l'acheter IRL? Non, c'est correct. C'est ouais, c'est correct. Correct hein. Ouais. Ouais. Et le prix in-game, 2 millions 8. Très enfin, correct presque... aussi. Ouais. Enfin, 2 millions 9. Asphalon, si tu veux l'équiper, tu recommandes quoi comme composant? Du militaire, hein. Oui. Du militaire avec le grade maximum. Hein. En bouclier, c'est des loricas. Donc là, les loricas, c'est des boucliers civils, ça. Alors, c'est les boucliers civils. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les boucliers, par contre, taille 2, oui. Que ce soit civil, industriel ou militaire, ce sont exactement les mêmes. Oui. Il n'y a que le nom qui change. Oui. A contrario des tailles 3 et taille 1, où vous avez un temps de régénération de bouclier qui est différente, qui demande plus d'énergie ou quoi que ce soit. Là, par exemple, je ne sais pas pourquoi, sur les tailles 2, c'est exactement la même chose. Mm. Donc du FR-66 ou du... 66. 76. Taille 2. 76, pardon. 76 en taille 2. Donc, du Lorica. Pareil. Après, très énergivore en électricité. Ah. Donc, changer les power plans. Ah, C'est un conseil. Ouais. Et puis après ça, le quantum de base et le crossfield est très intéressant. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas spécialement besoin de le changer. Oui. On a pu faire des tests hier ou quoi que ce soit. Passer sur un XL1, c'est dépenser 30 000 AUC de trop. Oui. Que rester sur un crossfield, c'est très bien. Mm. Oui. Après, changer les. Voilà, après, l'armement, on peut pas le changer. Mm. Oui, ah oui, alors oui, c'est vrai, c'est un point très intéressant que tu soulignes. On ne peut pas changer l'armement. À part les missiles, on ne peut pas changer l'armement. Oui. En fait, on peut résumer, ce chasseur a été construit autour de son arme. Et on peut le résumer comme ça. Hein. On ne peut pas du tout modifier l'armement, hein. À part les missiles. Ça. Et la taille des missiles, tu ne peux pas la modifier non plus, il me semble. Hein. Je crois pas. Il me semble que la taille, les racks sont... parce que c'est des racks spécifiques aux...
Au chasseur. Au chasseur, étant donné que... en fait, on a un rack taille 7, ouais. Missile, qui contient donc 12 taille 3. 12 taille 3. Que... 12 taille 3, quand même. 12 missiles taille 3, exactement. au passage, je conseille de changer vos missiles pour de l'électromagnétique. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. À l'heure actuelle, dans le patch, oui. Après, les deux autres racks, on peut les changer. Les MSD 543, on peut passer sur d'autres racks. Hein. Y a pas de souci. D'accord. Par contre, le RS 7123 est spécifique au véhicule et on peut pas le changer. D'accord. Intéressant. C'est un de ces atouts d'ailleurs, en PVE, ces missiles. Ah ouais. En PVE, je parle. En PVE, ouais. Oh bah certainement en PVP. Même en aussi. PVP. Hein. Oui. En PVP, quand vous êtes équipé de 12 taille 3. Oui, ça fait réfléchir ça, quand ça même. Ça peut calmer les ardeurs. Ouais. Oui, mais les joueurs en général arrivent plus facilement à les esquiver que les PNJ. Oui, oui. Mais ça les déconcentre et ça te permet de basculer sur de l'armement pendant qu'ils évitent le missile. Toi, ça les déconcentre un peu. Ça peut être un avantage hein, d'utiliser le missile quand même. Sur des RS qui rencontrent des chasseurs plus petits, vous balancez une bonne salve de missiles, ça peut peut-être vous permettre de vous barrer. Oui, voilà. Le temps que l'autre esquive, les deux petites secondes d'inattention permettent de... Voilà. Ouais, ça peut être pratique pour ça. Et puis si jamais ils font mouche, bah, tant mieux. C'est des tailles 3 sur un chasseur léger, ça doit faire des dégâts quand même. Hein. Et ben voilà. Alors, là on a discuté grosso modo. Aaron, toi t'avais testé l'Inferno. Au niveau de son modèle de vol, tout ça, globalement ce vaisseau, tu l'aimes bien? Oui, beaucoup. Oui. Le seul fait que je l'ai pu, c'est que les Tie 7 ont été nerfs oui. Énormément. Ouais. Énormément, oui. On n'a pas fait les mauvais points. Oui, alors les mauvais points, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit. Faudra voir dans la 320, parce que comme on l'a dit en début de vidéo, apparemment ça va changer. Mais il est très, très, très assujetti au... Torque imbalance. Oui. Vous prenez un tir. Un tir suffit largement à vous foutre en torque imbalance, en fait. Oui. Quand tu parles de prendre un tir, par exemple, même si ça touche que les boucliers ou si ça passe à travers les boucliers, ça passe à travers les boucliers. Par contre, si vous prenez un coup de Gatling, vous allez sentir tout de suite. Hein. Oui, oui, oui. Un coup de Gatling, c'est le problème de toutes les ailes Delta dans Star Citizen. Hein, l'éclipse en fait pas. Déroge pas à la règle aussi. Hein, dès qu'il prend un tir dans les ailes ou quoi que ce soit, oui. il est en torquing balance. Le problème, c'est, à la différence de l'éclipse, c'est que l'éclipse, on arrive quand même à contrecarrer ce problème-là. Oui. Sur cela, ça se sent directement. Ouais. Ils vont avoir une tendance à ne plus très bien tourner, ils vont drifter, vous allez perdre, le nez va, déjà il plonge de base, mais alors là le nez va complètement plonger, c'est très problématique. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est très efficace sur du gros gibier, sur du plus petit gibier ça va être beaucoup plus difficile. Ouais. Et le deuxième gros point noir, c'est qu'effectivement, ils ont beau être équipés de taille 7, c'est encore plus visible sur le Yon. Oui. Les dégâts ont été très, très, très nerfés. Ah, ouais. Et malheureusement, malgré que j'aime bien le vaisseau, ouais. Ça en fait plus des chasseurs compétitifs. Ouais. Et apparemment, de ce qu'on a vu à la 320, il redeviendrait compétitif, voire même là, peut-être... Là, par contre, oui, effectivement, de ce qu'on a pu voir sur un Yon, oui. Parce que c'est quand même beaucoup plus visible aujourd'hui sur un Yon, le canon taille 7 en Yon, vous avez beau toucher, vous avez l'impression que des fois, vous ne touchez pas. Hein. C'est oui. Vous touchez, mais voilà, l'adversaire, il clignote, mais c'est tout. Hein. Voilà. Sur la Gatling, c'est... Bah,
les même si les balistiques, les dégâts balistiques sont pas ce qu'ils devraient être aujourd'hui, hein, mais ça fait quand même plus de dégâts que le lion. C'est pour ça que l'Inferno est beaucoup plus apprécié que le lion aujourd'hui. Oui. Mais de ce qu'on a pu voir sur un Ares Yon sur la 3.20, la donne va complètement changer. Oui, c'est devenu un sniper. Oui. Ah, et puis au moins là, le canon, il sert à quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est le rôle principal du Yon à la base. Oui. C'est d'être un sniper, c'est de tirer de loin. Ouais. Et puis one shot quoi. Et oui, alors il one shotera pas dans la 3.20 parce que, mais bon, disons que en deux tirs ça peut être terminé. Oui. Et ben on va aller tester ça, Svalon. On a Aaron en escorte. On va décoller. Je vais prendre le Yon. Je vais tester le Yon en premier. En espérant ne pas subir un décès brutal, parce que je ne vous cacherai pas que je crois que j'ai utilisé une seule fois le Yon, je crois. Bah, à l'époque, il était aussi nerfé, donc je n'avais pas gardé un souvenir intarissable. Mais on va tester. On va se trouver une petite mission dans les alentours. Engines. On. Launch complete. Alors, je vais reprendre un peu d'altitude. Je vais pas aller trop vite parce que Aaron a un petit peu de mal à nous suivre. Une fois dans l'espace, ça va. J'ai plus de vitesse de pointe que vous, mais en atmosphère. Ah ouais ? Ah, dans l'espace, en fait, c'est l'inverse. En atmosphérique, t'es inférieur, mais dans l'espace, ça va mieux. Ouais, 1240 mètres secondes. Tout à l'heure, vous avez dit 1100 pour vous, 1120, je crois. 1120, oui. Ouais. Moi, je suis au-dessus des 1002 avec. Alors, je cherche un point de quantum. Eh ben tiens, j'ai la... en face de moi, j'ai Euterp. Je vais sauter sur Euterp. Je ralentis un peu. Peut-être aller faire le plein, non? Oui. Alors, ben tiens, on va aller sur Clio. On va s'arrêter à un avant-poste. Juste à côté, il y a Clio. Je ralentis, je m'arrête. Voilà. Et j'ai calibré sur Clio. Vous me dites quand vous êtes prêt. Apparemment, c'est bon. Moi aussi. Ok, je lance. Je suis pas parti. Ah, on était peut-être trop loin les uns des autres alors. Ah, moi je suis parti avec toi. Ah. Les joies du quantum en groupe. Ok, je suis arrivé à Clio, je vous attends. Est-ce qu'il y en a un poste à proximité dans le coin? Ça serait pas mal qu'il y ait une bouteille d'eau aussi. Oui. J'ai McGraff qui est côté soleil. J'ai calibré sur McGraff. Prêt. C'est bon. Et Aaron c'est aussi. Bon. Ouais. Ah, attends, ça recalibre de mon côté. C'est bon, je lance. Ah, c'est pas moi, ça doit être Asfa peut-être. Non plus. Ou Aaron. Attends, ça redéconne, oui. Ah, il y a quelqu'un qui est maître, mais je sais pas qui c'est. Je vous vois être en train de charger déjà. Moi je suis prêt. Bon. Ah, c'est bon, ça a lancé. Ouais. Okay, bon, c'est parti.
contre, ça risque d'être drôle. J'ai problème de... Le bouclier, ça va être drôle. Quantum travel complete. C'est juste à côté du circuit. Oui. Eh oui, donc là j'ai bouffé 50% du plein là. Écoute, je te laisse te poser, baron. Ok. J'ai ma vision qui commence. Je te passe, passe juste en dessous. Ouais. Ah, par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au niveau freinage, il a une façon de freiner qui est particulière. C'est assez déroutant. On est presque sur du F7, mais avec un petit truc en plus. J'arrive pas à le définir, mais... Landing gear down. Alors... Landing complete. Ok. Alors, on va tester, voir si le plat fonctionne. Il faut espérer. Oui. Processing, c'est bien. Ça monte, ça monte, ça monte. 1000 AUEC pour 50% du plein. Hein. C'est un petit budget, on va dire. Genre d'école. Ok, je t'ai laissé la place, Asfa. T'as trouvé de quoi boire, Aaron? Pas encore, ça m'inquiète un peu. Ah. Je suis à 5%, donc ma vision commence à se brouiller. Attends, je vais voir si j'ai pas quelque chose. C'est bon, il y en a une là, j'espère qu'il y a à boire dedans. Y a pas à boire dedans. Chance, pour ça. Ah ah. Manière. Il reste un dernier bâtiment à tester. J'en ai une, mais à 46%. Tiens, je vais te la donner. Ouais. Bah attends, je vais aller voir déjà dans le dernier bâtiment, peut-être déjà. D'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique pourquoi dans des avant-postes il n'y a pas des fontaines d'eau. Qu'on soit obligé de courir après une route. Aaron. Ouais. Ouais, super, merci. Parce qu'autrement, comment ils font les PNJ pour boire s'il n'y a pas d'eau? Pas besoin de boire, toi, Baron? Non, non, j'avais prévu juste avant de faire l'émission. Bah, j'ai bu juste avant de partir, je suis déjà à 50%, quoi. Ah bon? Ah non, non, j'ai pris, tu sais, ouais, la cruse verte, là, je m'en suis mis deux bouteilles dans le nez, là, et puis ça va pour l'instant. Allez, je suis remonté à 50.
T'en as besoin du coup, Asfa, il y en a une deuxième. Vas-y, c'est bon, vas-y, je suis à un peu plus de 60%. Bon, alors du coup. On va. Juste le temps de faire la mission. C'est bon. Hop là, bon, parfait. Et ben, c'était tendu du coup. Allez, je suis prêt. Ok. Hop là. Et ben, je vais déjà prendre mon mercenari, mon call to arm, tant qu'à faire. Hop. Call to arm. Yep. Il y a une critical de disponible. Je l'ai acheté, hein. Ok, vous êtes dans les vaisseaux ? Dans 3 secondes. Ah, la critical vient de disparaître. Pardon. J'ai trop attendu. Tant pis. Bah écoutez. On a dit du Hammerhead, ben j'ai une ERT qui est disponible, une mission simple ERT qui va se passer sur un site de carcasse à Microtech, en atmosphérique. Ça peut être un bon test. Voir pourquoi ces putains de boucliers bug. Je vous la partage, messieurs. Je comprends pas que j'ai que 20% de bouclier à l'avant, 80% à l'arrière. Oui, c'est bizarre ça. De pas se faire toucher. Oui. Et ben je redécolle. Vous avez la mission, vous avez le logo de mission. Oui. C'est bon pour moi. Voilà, je me bride à 420 mètres secondes. À 6000 mètres, je pense que je peux trouver un OM facilement. Je ralentis. Alors, un petit OM. Ah, je crois l'OM 6. L'OM 6, tu me dis ? Ouais, je crois, je sais pas si. Cap 285. Oui, je l'ai. OM 6, oui, je l'ai. Eh ben, c'est toi qui vas lancer, Aaron, je pense. 185. Ah. Avec une assiette à 45. Ouais. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'est bon. Vas-y. C'est bon pour moi aussi. Je lance. C'est parti. Quantum travel, engage. Ok. Quantum travel, complete. Alors, Microtech. Parfait. Terp. Microtech. Voilà. J'ai Microtech. Je suis en train de calibrer. Ah.
Est-ce que j'ai bien Microtech? Ah, j'ai un doute là. Je recalibre. Parce que je suis pas. Voilà, Microtech, c'est bon. Je suis en train de calibrer. Je suis prêt. Quantum travel, engage. Il semble que ce soit de jour. Quantum travel complete. Il y a le data center qui est à proximité. Parce que je peux pas sauter directement sur la cible. Pareil. Data center KEV2. Je suis calibré, moi, c'est bon. Ok, ok, je lance. C'est bon ? Ouais. Quantum travel, engage. Et ça va nous mettre à 200 bornes à peu près. Quantum travel complete. 169. Oh, ça va, pas loin. Tu nous dis, Aaron, à quelle vitesse tu peux aller max à cette altitude-là? Là, je suis à 10 000 mètres. Là, je suis à 480, 500. Je suis un peu plus haut. 500? Ok. Ça monte tranquille, mais ça monte. Ouais, 550, je peux aller. Ok. Ah, il s'est pas volé droit. Hein. Ouais, et par contre, c'est un truc qui est... en atmosphère, t'es toujours en train de le récupérer. Hein. Il aime bien piquer du nez. Hein. Allez, moins de 100 bornes. Et on voit la jauge à carburant qui descend à vue d'œil. Impressionnant, hein, la consommation en hydrogène, là, c'est juste faramineux. Et 550 000 litres. Hein. Là, je crois qu'il m'en a bouffé 100 000 là-bas. Non, quand même pas, mais...
Il y a 50 000 litres qui y sont passés là d'un coup, là, oui. Moi j'ai déjà pratiquement un cinquième, hein. Si, j'ai pratiquement. J'ai un bon 100 000 litres qui vient de passer, hein. Ouais. Ah ben Crusader, ils sont réputés pour bien aimer ça. Hein. Il est gourmand le pépère. Hein. Tu as 50 bornes. Les moteurs, ça doit être des deux par dieu, hein, sa tête. Hein. Ouais. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, Ron. Je le connaissais pas, surtout. Je suis à 40 bornes. 39. Eh ben, Aaron, on va te laisser passer en éclaireur. Dès que je serai à une trentaine de bornes, je vais ralentir. Et je te laisse passer devant pour faire un repérage. Voilà, je commence à ralentir, je me mets... je vais peut-être me mettre sur du 250 en vitesse d'attaque. Alors, ça va pas tarder à arriver. Je le neutralise. Il y a un Hammerhead, bien entendu. Oui. Le deuxième, c'est un Vanguard Warden. Ouais. Il n'y en a pas de troisième. Étonnant. Limar Keller, c'est le Hammerhead. Hein. Liman oui. Keller, là, ouais. Ok, je l'ai verrouillé. Alors... Ouais, pour moi, il n'y a pas. Il y en a que deux, j'en vois que deux pour le moment. Il t'a repéré. Ouais. Je vais lui envoyer un petit colis. Ah, il y a un troisième. Ah bah, il s'est mangé tous les missiles, Mered. Le Warden, il n'y en a plus. Ok. Je vais m'occuper du deuxième plus petit, j'imagine. C'est un. Un Hurricane. Ah, oui. Pardon, désolé. Oula. Et là, moi, je prends Tarif. Le Hurricane HS. Je vais vous aider sur le... Ok. Hammerhead. Ils sont pas bien. Attack on shield. Je reviens dessus. Shield.
minutes. Hein. Facile, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais il a vraiment été... Ils ont vraiment été nerfs. Hein, les... Oui, et puis les Hammerhead ont vraiment été up, hein. Un peu trop. Hein. Oh, ça dépend, parce que regarde, avec les corsaires, on arrive quand même pas trop. Ouais, mais les corsaires, t'as 4 quatre, quatre balistiques... Shit. I5. Ah bah je suis mort. Voilà. Eh. Ah, pas facile hein. C'est. Ouais. Je suis pas fan de. Je suis pas fan de le. Ouais. Et le Yon là, il est pas. T'as l'impression de rien faire. Ouais, ouais. T'as un peu l'impression de pas rien faire. C'est exactement ça. Ouais. Tu fais que d'attaquer à distance, les boucliers, bah, malgré que t'es deux tailles, trois tailles, ouais c'est trois tailles 2, bah t'as l'impression de pas en avoir. C'est très particulier l'impression que t'as avec ce chasseur. C'est très très particulier. Je suis pas fan. Je suis pas fan de, alors le Yon, pas fan du tout. Hein. Mais après, parce que l'arme a été down, hein, parce que sinon il envoie. Ouais. Et au bah, début qu'il est sorti, il envoie. Dans l'état actuel, je serais tenté de dire un mot pas très gentil concernant le Yon. Mais voilà. C'est de la merde. Oui, voilà. Bah, oui, c'est de la merde. C'est... Ouais. Ah ouais, non, mais il faut le dire. Ouais, 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 c'était... Tu passes ton temps à éviter, à t'éloigner de l'adversaire. Il strafe moyennement, on va dire. Bah, c'est ça, hein. C'est des snipers à la base. Hein. Ils sont pas faits pour du close combat. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout du Yon. Hein. Mais ça, bon, c'est apparemment, il faudra certainement le retester en 3.20 s'il a retrouvé un peu de brio. Mais là, ouais, c'est. Pas fan du tout. Je vais essayer de te rejoindre. Et qu'est-ce que j'ai, moi, comme je joue dans le coin, là? Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Ouais, non. Je... C'est... Non plus... j'ai rien dans le coin. Ah, je saute, j'ai rien. Allez, je suis là, ce soir. Je suis à 10 bornes. Je suis avec le corsaire. Il
J'ai pris le chasseur lourd le plus. Bah maintenant, je suis pas sûr que ce soit le chasseur lourd le plus inutile du verse. J'ai pris l'Harbinger qui était disponible tout de suite. Ouais. tu choisis les. Ah oui, je choisis les. Bah, ce qui est disponible tout de suite. Hein, et... Bah, il y avait l'éclipse, mais l'éclipse, il est pas là tout de suite, donc voilà. Viborne, ça va. On va se mettre à deux sur sa trogne. Tu l'as mis bien rouge quand même. Je sais pas si. Fait un en truc fait, pas c'est prudent. Très efficace du moment que il a pas l'intention de la tant que l'intention de la cible n'est pas sur vous. En fait. Oui. J'arrive. Bon, bah, ouais. Ah bah j'ai plus de balles. Ok. J'ai plus de cartouches. Allez, mais mon Dieu. À la rigueur, ce que je peux faire, la torpille humaine. Non, mais bon, bah, c'est bon. Il est tombé. Ok. Ah, bah, faut pas regarder l'état de mon vaisseau. Hein. Mais le Hammerhead, là, en ce moment, il cartonne. Oui, alors, le. Bon, par contre, faut préciser. Hein. Le Hammerhead IA. Oui. Parce que le Hammerhead oui. Toi tu sors ton Hammerhead, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats. Hein. Peut-être. Ah c'est sûr et certain. On l'a testé. Parce qu'il nous a fait chier, on va le finir. Ah bah. Voilà. C'est fait. C'est fait. Et ben, conclusion. En 3-19 points, les arrêts infernaux sont sympas d'après vous, au final. Jugement global. Moi, je dirais, je verrai dans un mois. Ouais. Parce si que vous là... voulez vous en servir en 3.19.1, c'est pour se promener. Voilà. Non mais c'est vrai, hein. C'est, oui, c'est très agréable sur atmosphère, sur planète, à faire joujou avec et tout, y a pas de soucis. Hein. Ouais. Mais bon, il y a... On va dire que pour ça, il y a quand même beaucoup mieux. Hein, ouais. Pour s'amuser ouais. Sur... Mais... ouais, non. C'est... Là, pour moi, actuellement, ils sont dans les hangars, ils prennent la poussière. Ouais. Ouais. Mais de ce que j'ai pu voir sur la 320, ça va être l'inverse. Voilà, ils vont peut-être pouvoir ressortir. Surtout le Ion, hein, parce que bon. Oui, le Ion. Mais apparemment, l'Inferno serait pas trop mal. Apparemment, ouais, l'Inferno voir, serait faut pas voir trop si mal. Le balistique a été remonté en. Parce que là, bon, il y a quand même. On est à. Alors c'est. 3800 cartouches, hein, quand même. Hein. Ouais.
Mais bon, là, là j'ai mis les 3800 cartouches. Alors, je les ai pas toutes touchées, puisque le balistique, hein, c'est extrêmement difficile de toucher correctement. Mais les 3800 ont pas suffi. Hein. Ouais. Les 3800 n'ont pas suffi. Alors qu'avec des tailles 5, avec deux tailles 5, tu fais sur un Redeemer, tu fais bah, mieux au final. Oui, t'as 4 tailles 5 hein, sur un Redeemer quand même. C'est pas 2. Oui, oui. C'est 2 x 2. Oui. Donc c'est vrai que c'est pour l'instant, on peut s'entraîner à le piloter. Pour ceux qui veulent l'acheter, ils peuvent s'entraîner à le piloter en 3.1 parce que le modèle de vol a pas l'air d'avoir trop changé, lui. Mais ensuite, pour son efficacité, peut-être attendre la 3.20, voir si le up est correct, on va dire. Voir si le up vaut le coup. Parce que c'est vrai que là, en état, c'est pas... Enfin, moi, j'ai jamais été vraiment conquis par cet engin, mais là, c'est vrai que, clairement... Bon, on était en atmosphère, hein, c'est toujours particulier, l'atmosphère. Ouais. Ça va peut-être refroidir du monde de mettre $250 en n'étant pas sûr en 3.19 de pouvoir s'en servir correctement. Par contre, en 3.20... Ah, en 3.20, ouais. Alors, en 3.20, attention, je mets une réserve quand même, parce que là, on est toujours en phase de test PTU. Ils peuvent encore le rééquilibrer, le renerfer ou le re-upper. On ne sait pas trop comment ça va finir au bout d'un certain temps. Il semblerait qu'on revienne sur un chasseur plus intéressant. Mais je dis bien, il semblerait, hein, parce que dans les PTU, ça évolue tellement les vaisseaux que... Difficile de se faire une idée vraiment précise. Mais de ce qu'on a vu, oui, apparemment, il a l'air... Il a l'air de redevenir intéressant. Surtout le Lion, oui. Bah, il mérite, hein, parce que un taille 7 qui fait pas de dégâts, je pige pas trop à quoi ça sert. En ouais, fait. C'est dommage. Hein. Ouais, ouais. Et surtout, ça va inquiéter les possesseurs de par exemple de Perseus qui vont se retrouver avec 4 taille 7 et disent s'ils font pas plus de dégâts que ça, est-ce que c'est utile que je garde le vaisseau hein. Parce que c'est plus ou moins la même. Oui, c'est les mêmes tailles. Hein. C'est la même taille, ouais. Par contre, je me rappelle plus si c'est les mêmes modèles de canon. J'ai un doute. Ouais, apparemment c'est le même. Bah, après, je n'ai jamais ah vu, oui. Mais... Ah apparemment, oui, alors, c'est le même. Ah bah, s'il a la puissance de celui qu'on a vu en 3.20, là, oui, ça... Les gars qui ont des Perseus vont être impatients d'avoir leur Perseus. Ah, parce que alors là, ça va être vraiment des canons de snipe. Hein, Sniper un Mustang... Sniper un Mustang comme il l'a fait, oui, c'est... Après, ça sera des... sur le Perseus, si je ne m'abuse, c'est les Gatling, hein. C'est celle de l'Inferno, hein. pas les lasers. Hein. Non, sur les deux tourelles du Perseus, les deux tourelles lourdes taille 7, c'est comme sur le Yon. Enfin, c'est le même style que le Yon. C'est des lasers, d'accord. Ouais, et les Gatling, c'est les taille 3, les tourelles remote taille 3. Thank you. D'accord, j'ai confondu les deux. Please proceed to assigned landing bay. Il me semble, hein, de mémoire, hein, je peux me tromper. Mais les tailles 3, oui, c'est les Gatling, et les tailles 7, c'est les canons laser. Canon laser ou canon balistique? Ah, j'ai un doute d'un coup, là. Regardez ça. Bon, peut-être... Bon, voilà. Bah, en tout cas, on a fait le test des ARS. On sait ce que ça vaut à l'heure actuelle. On a des espérances pour la 3.20, ce qui les rendrait intéressants, ce qui me pousserait certainement à l'acheter une game, peut-être. Enfin, surtout l'Inferno. J'ai un petit faible pour l'Inferno, je dois dire. Je l'avais essayé en Arena Commander, là, quand on avait fait la Pirate Swarm. Et c'est vrai qu'il était plutôt agréable à utiliser.
balistique Gatling pour le taille 3, c'est bien de la balistique Gatling. Okay. Et pour taille 7, c'est pas marqué, c'est bizarre. Portal 3, t'as le modèle sur le site, mais t'as pas la, le modèle S7 manette tourette, mais ça dit pas l'arme qu'il y a dessus. Ah oui, mais je pense que ça doit être des armes spécifiques pour le Perseus. C'est pas sûr que ça soit celle du Yon. Hein. C'est pas sûr que ça soit celle du Yon. Allez, on va retourner sur Portressler. Bon allez, je vais arrêter de faire mes bêtises, moi, parce que ça va mal finir. Je suis déjà qu'à plus 25% de... d'hydrogène en plus. Alors... Enfin, le point positif à tout ça, c'est que le Harbinger a survécu. Ouais, suffisamment exceptionnel pour le signaler. Quoi. Et il a deux torpilles qu'on fait mouche sur une carcasse de Hammerhead en train d'agoniser. Magnifique, magnifique. On en vient toujours à la même conclusion, le Corsair c'est le meilleur des chips, c'est pour ça qu'il a gagné. Eh bien, messieurs, dames, ainsi se termine la présentation des ARES. Bon, maintenant, vous avez une idée un peu plus claire de ce que peuvent faire ces vaisseaux. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait leur présenter, les gars, la prochaine fois ? Mais une idée ? Bonne question. Ah, tiens, faudra qu'on teste pour le Hawk, si on peut en sortir deux exemplaires. Moi j'ai le mien, après... Ouais, faudrait que je teste. Normalement, on doit pouvoir le faire, mais... On peut faire le Hawk, on peut faire... Bah, le A2, le Karak, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'on n'a pas testé encore? Il y en a quand même plein qu'on n'a pas testé encore, mais... Faire un gros, ouais. Oui, il y en a plein, oui. Bon, on va bien trouver un vaisseau. Oh, on va oui, bien trouver un. Ça sera la surprise. Oui, ça sera la surprise. C'est vrai que là, j'ai pas d'idée. Bah, en fait, ça sera en fonction de notre disponibilité aussi. Hein. Oui, on va y réfléchir, messieurs, dames. On va y réfléchir et on vous prépare une nouvelle émission avec un nouveau vaisseau à présenter. On regardera ça. On vous souhaite, bah, au nom de tous les Darkred, on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le Verse. À ciao ciao tout le monde.